Octobre, du lundi très ensoleillé et très chaud le 21 octobre. Là vraiment c'est incroyable ce temps aujourd'hui, mais je pense que les cieux, les planètes se sont alignées ou je ne sais quoi pour la Sainte Céline. Voilà, c'est mon petit cadeau finalement. Donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les Célines qui me regardent. Je vous fais des gros bisous et puis voilà, bonne fête à nous, bonne fête à nous. Il est présentement 14h45, la journée file à toute allure puisque ce matin c'était la corvée des courses. Je n'ai quand même pas fait, à un moment j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais les courses genre pour les 15 jours de vacances, comme ça j'y retourne pas la semaine prochaine. Mais c'est trop, après j'ai plus de place pour ranger les trucs et tout, donc non. Et puis c'est le risque après d'oublier des choses et puis... Donc non, j'ai fait qu'une semaine, il faudra malheureusement y retourner la semaine prochaine. Voilà, hein, ça m'a occupé quasiment toute la matinée. L'autre partie de la matinée a été occupée à passer l'aspirateur, défaire le puzzle, hein, parce que bon là comme il était terminé et que j'ai mis un petit peu plus longtemps que ce que je pensais, j'avais envie de récupérer ma table de salon, d'autant plus que maintenant, comme c'est les vacances, je pense que les enfants vont souvent être sur la table du salon pour des petits bricots, de l'ordi, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je voulais faire place nette pour pas... Vous avez été beaucoup à me parler soit des tapis, soit des planches pour poser les puzzles et puis pouvoir les déplacer. C'est un investissement auquel je pense depuis de nombreuses années. Puis à chaque fois, y a autre chose à acheter, donc un jour j'investirai dans un tapis où vous savez après vous pouvez rouler puis comme ça vous pouvez ranger votre puzzle et le sortir quand vous le faites et il reste pas tout le temps déballé. Donc il s'agit, c'est
J'en parle au passé comme si. Il s'agissait du puzzle Secret Garden à 1000 pièces de chez Gibson. Je vois que j'ai remis le truc à l'envers. Et vous avez vu ce matin, je vous ai donc emmené dans ma petite boutique de jeux et je vous ai montré un petit peu les autres puzzles qu'ils avaient. Sans aucune surprise, vraiment ceux de cette marque-là, je vous les aurais filmés un petit peu. Vraiment tout est beau quoi, hein. C'est très très joli. Alors je regardais le modèle qui correspond à l'hiver, il y avait vraiment tout un plan d'eau, je ne sais quoi, enfin bon, bref, avec des animaux dessus et tout, et le tout donc dans des tons de bleu et blanc à cause de la neige. Est-ce que j'étais prête après ça là à repartir dans un truc où vraiment j'étais obligée de me concentrer sur la forme des pièces et pas les motifs? Non, clairement je n'étais pas prête du tout. J'en parlais avec mon fils qui me disait qu'il avait vu un puzzle entièrement blanc de 1000 pièces et tout ça. Je dis mais je sais pas comment les gens qui réalisent ça font, enfin vraiment ils ont tout mon respect, hein. Moi ce que j'aime c'est chercher les petits détails qui sont sur le puzzle et pas juste faire coïncider des pièces, enfin voilà. Vous avez également été beaucoup à me poser la question de savoir de ce que je faisais de mes puzzles après. Eh bien, écoutez, alors j'en ai pas non plus des milliards, hein, j'en ai moins d'une petite dizaine. Eh bien, je l'ai défait. Il n'y en a jamais aucun où je me suis dit, tiens, je vais le coller, et puis peut-être l'afficher, etc. Alors, non pas qu'il ne soit pas beau, parce que franchement, celui-ci, je trouvais qu'il était magnifique, mais en fait, je suis pas trop fan du rendu puzzle, quoi. Où on voit que c'est un puzzle collé. Autant peut-être l'affiche de ce dessin-là me plairait à mettre sous cadre et afficher dans la maison, autant en version puzzle, donc où on voit les pièces et tout, je suis pas trop fan de ce... Enfin voilà, moi c'est mon truc. Il y avait d'autres marques là au magasin, c'est les hiboux qui sont absolument magnifiques aussi ceux-là. J'en ai un ou deux de cette collection, je ne sais plus. Mais il n'y avait rien qui était vraiment propice à la saison. C'était soit vraiment très Noël, soit plutôt été ou des couleurs vives et tout. Donc je n'ai pas craqué. Et donc oui, pour terminer de répondre à la question, qu'est-ce que je fais? Donc non, je ne les conserve pas, je ne les affiche pas, etc. Je les remets en boîte. Alors, je les prête. On est plusieurs copines à aimer les puzzles, donc je fais tourner beaucoup ceux que j'ai. Et vice versa, je récupère parfois ceux des copains, des copines, etc. Et puis bah, le jour où, alors je les refais aussi, étant donné que j'ai de toute façon une cervelle de poisson rouge, je me rappelle absolument plus comment c'était, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment le temps de les oublier le temps que je les fais, donc aucun problème. Et donc je l'ai refait et puis bah, je pense que le jour où j'en aurai trop il y en a un j'aurais pas trop aimé le faire ou je ne sais quoi, j'aurais pas envie de le refaire, et bah, je pense que je les revendrai tout simplement. J'en ai moi déjà acheté sur Vinted, donc je pense que je choisirai cette option là. Et là en tout cas celui-ci va partir chez ma copine Julie qui m'a demandé si je pouvais lui passer. Je vais là m'installer un petit peu rapidos. Alors j'ai tricoté un petit peu dehors en plein soleil. Je suis rentrée parce que j'avais l'impression de brûler littéralement. Je sais pas combien il fait, mais à mon avis au moins 23, 24 et en plein soleil, c'était très très chaud. Donc je suis rentrée, je vais rester un petit peu là à l'intérieur et je vais tricoter sur mon pull gaja. Mais je voulais quand même vous montrer, donc là j'ai tricoté sur mes petites chaussettes. Je vais m'empresser de remettre mon petit arrête-maille là pour que ça bloque. Je vais pousser le café pour ne pas faire tremper les fils dedans. Et voilà en tout cas où j'en suis. J'ai tricoté de mes pumpkin socks de renard endormi. Bon, ça rend franchement extrêmement bien. Donc là j'ai commencé à refaire le petit motif de losange qui est la fin du jacquard, et après j'attaquerai le reste de la chaussette. Ce que je vais faire, ou je pense que je vais faire ça, ce que je vais faire c'est que quand j'ai raccroché ma couleur principale et avant de faire le talon, je vais rentrer les fils, parce que ça, je pense qu'à la fin du à la fin du tricot ça va me décourager quand je vais avoir tout à rentrer, donc je vais le faire là maintenant.
Voilà, donc c'est vraiment un petit modèle, mais pouf, adorable, hyper facile, hyper rapide à faire. Finalement, j'ai bien fait de les débuter là. Je me dis que on va faire une petite. En fait, on va faire une petite soirée. On va se retrouver avec les copains là pour aller faire le tour des maisons pour les bonbons avec les enfants. Moi, je trouve que c'est plus sympa de le faire en petit groupe que de façon isolée. Et donc, on s'est dit qu'après, on se faisait une petite soirée, on mange ensemble. Et je me dis, bah tiens, hop, ça, dans les qui dépassent des bottines, ça sera pas mal. Donc, il faut quand même que je les termine pour le 31. Oh, c'est dans 10 jours. Ça sera largement fini. Donc voilà, je crois que c'est tout ce dont j'avais à vous parler là tout de suite. Est-ce que je vous ai dit qu'après on repartait? Non, je pense que je ne vous l'ai pas dit. Là donc je vais m'installer pour tricoter un petit peu et puis ben, dans même pas une heure, on part en ville parce que les deux grands ont un rendez-vous chez l'orthodontiste et ben voilà, après je leur ai promis la corvée. Alors non, pas des 4, mais ceci dit, je vais être obligée d'y aller cette semaine ou la semaine prochaine. Ma grande m'a déjà demandé, elle a repéré quelque chose qu'elle veut aller s'acheter là-bas, donc voilà. Mais bon, ils m'ont demandé là, les deux grands, de passer chez H&M pour regarder des pantalons. J'ai pas envie, mais bon, hein, voilà. Bah oui, ça grandit ces petites bêtes, ça grandit, donc... Allez, je pense qu'on va faire ça quand même. Bon, assez blabla, je tricote. À plus tard. Quand même, c'est pas trop mal. Donc il a refait sa délicieuse recette patates douces, carottes, oignons rouges, crottin de chèvre, beaucoup d'huile, beaucoup de miel, des herbes non identifiées. Je pense que c'est du thym, mais voilà. Et au four à 200. Bon, par contre, je peux pas vous dire combien de temps. Oh, quand c'est bien fondu, quoi. Je pense que nous allons nous régaler. C'est quand même dommage d'avoir une journée aussi magnifique et de la passer au cabinet de l'orthodontiste et dans les boutiques à attendre que tes ados fassent leurs essayages. C'est un petit peu dommage. Non, mais en gros, ça va. Alors, déjà, l'excellente nouvelle. Et croyez-moi, c'est vraiment une super nouvelle. Donc là, on allait chez l'orthodontiste pour le rendez-vous, alors toutes les 6 semaines, est-ce qu'il y a un mot pour la récurrence de toutes les 6 semaines de mon fiston, qui en a bientôt terminé avec son appareil, il est content. Et on allait voir aussi si la grande allait avoir besoin d'un appareil, etc. Et la réponse est non, pas besoin d'appareil, ses dents sont nickel, picobello, il n'y a rien à toucher, rien à redire. C'est le porte-monnaie qui est content. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Et puis, bah, elle a été super contente. Donc, voilà, une bonne petite nouvelle. Finalement, je râle, mais on a quand même réussi à trouver ce pour quoi on était venu, donc des pantalons pour les grands. Parce que là, rien de pire que de faire les boutiques et qu'en plus, ils ne trouvent rien. Alors là, c'est terrible.
Et en plus, on est passé... qu'est-ce que je vous aurais filmé? Ah, on est passé au comptoir irlandais. Ah bah dommage, j'ai oublié de ramener. Au comptoir irlandais qui est vraiment pour le coup juste à côté du cabinet d'orthodontie. Donc c'est le passage obligé à chaque fois qu'on y va. Et j'ai repris du rooibos carrot cake de chez Daman. Et il faudra que je vous montre ça. Un de ces quatre, c'est un des rooibos que j'adore aussi boire là pendant la saison. Et ensuite, nous sommes allés chercher leurs habits et on est repassé par la librairie en rentrant. Et pareil, il y avait plein de nouveautés magnifiques dans les bandes dessinées, dans les mangas qui suivent et tout. Donc, alors moi, au contraire, alors là, la librairie, je pourrais y passer des heures. Librairie pour enfants, je pense que je vous aurais fait 2-3 petites images là. Il y avait un nouvel album de Fanny Ducassé. Alors, du coup, je n'achète plus trop d'albums jeunesse parce que bah, les enfants sont un petit peu plus grands, mais quand ils étaient plus petits et qu'on lisait des histoires et tout ça, je me faisais vraiment, vraiment plaisir. Et Fanny Ducassé, c'est une illustratrice que j'adore. On a d'ailleurs au moins un, peut-être deux de ses ouvrages qui sont dédicacés parce qu'on l'a rencontré sur les salons. C'est beau, mais c'est beau. Et puis c'est automnal à souhait. Enfin bon, bref, donc... voilà, et là, il y avait un nouveau qui venait de sortir et je pense que je vous aurais fait 2-3 petites images. Donc celui-là, on l'a pas pris hein, parce qu'on n'a plus d'enfants vraiment concernés à la maison. Mais les enfants, eux, par contre, ont pris des suites de leur bande dessinée, de leur manga et tout ça qui venait de sortir. Et j'en ai même pris pour mon mari, hein, comme ça, voilà. D'ailleurs, ce qui me fait penser, ça fait plusieurs jours que je me dis que je vais vous parler de ma petite lecture du moment. Ma petite lecture, je suis page 222 et je crois qu'il y en a presque 600, hein. Ah, 544. The Invisible Life of Addie LaRue, puisque c'est une Française. C'est pas du tout un nouveau bouquin, hein. C'est un livre qui a déjà quelques temps, qui fait partie donc du Sunday Times best-seller. Voilà, alors... Pour vous donner un petit peu l'idée, c'est Addie LaRue, c'est donc une jeune Française qui vit dans un petit village au tout début du XVIIIe siècle. Et elle trouve que sa vie de femme, enfin de jeune fille, hein, parce qu'elle doit avoir 23 ans je crois au moment où l'histoire vraiment se déroule, elle trouve que sa vie de jeune fille est horriblement étriquée, complètement soumise à la volonté de et de sa famille, et de la religion, et de l'époque, etc. Donc elle étouffe là-dedans. Et puis un jour, elle se retrouve promise à un homme qui vient d'être veuf et qui a déjà des enfants. Elle a réussi jusqu'à présent à échapper au mariage, mais voilà, ses parents ont besoin de la placer, quoi. Hein, et donc, elle se retrouve promise à un homme veuf. Et elle décide de faire une sorte de pacte avec un dieu malveillant, on va dire, même si pour l'instant, je ne suis pas encore suffisamment avancée, parce que c'est le genre de roman, donc... je vais terminer mon pitch. Donc elle fait un pacte avec un dieu et à qui elle promet son âme si il la laisse vivre plus longtemps libre. Et donc comme c'est un dieu un peu méchant, et qu'il faut jamais faire de pacte comme ça, hein, t'es souvent pas gagnant. Eh bien il la laisse vivre. Et elle devient invisible, c'est-à-dire que, enfin, les autres la voient, mais les autres l'oublient, en fait. Personne ne se souvient d'elle. Les gens la voient, discutent avec, et puis s'ils quittent la pièce, s'ils partent, ils ne se rappellent pas d'elle juste après. Et donc voilà, et donc on la suit à différentes périodes de sa très longue vie, pour le coup. Bon, alors même si pour l'instant, j'en suis à un tiers du bouquin, donc j'ai pas encore non plus toutes les pièces du puzzle, mais voilà, c'est pas mal du tout comme lecture, très
Des fois, on se pose la question, qu'est-ce que tu ferais si tu avais des centaines d'années devant toi? Moi, je suis pas sûre que ça me plairait des masses, en fait, d'avoir beaucoup, beaucoup de temps. Et alors, beaucoup, beaucoup de temps seul comme ça, non, là, vraiment, je crois que ça serait pas possible. Bon, quoique, si j'arrive à emmener un peu de laine avec moi, peut-être que ça serait pas mal d'avoir des années supplémentaires. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas pactiser avec le diable. Pour l'instant, je vais garder les choses comme elles sont. Mais voilà, moi, vraiment un bon petit bouquin. On va se faire une petite session de questions. Little Sad Rainbow me demandait de revenir un petit peu sur la vidéo, enfin sur le petit truc que je vous ai raconté sur les blocages des ouvrages. Elle voulait donc savoir à quelle température est-ce que je bloque mes tricots. Donc ce que je disais, c'est tiède. Voilà, de l'eau plutôt tiède. Et elle me posait des questions sur la fréquence de lavage des objets tricotés. Et ça, je sais que c'est un grand débat au sein de la tricosphère. Non, alors c'est pas que ça soit un grand débat, mais en fait, il n'y a pas de règles établies, machin. Mais c'est vrai que moi, je vais avoir tendance à laver assez peu mes tricots mains. Alors, les pulls, vraiment d'hiver, etc., clairement, je les lave s'il y a une tache dessus. Enfin voilà, si je me salis, ou à la fin de la saison, avant de les ranger dans l'armoire. Ouais, éventuellement, je sais pas, j'ai eu un très gros coup de chaud parce que j'avais mis ce pull et que en fait il faisait vraiment trop chaud. Ok, d'accord, voilà. Donc je les lave vraiment peu. Les petits pulls, petits tricots plutôt d'été, bah là je vais les laver un peu plus régulièrement. Souvent ils sont à même la peau, si tu transpires dessus, etc. Je vais les laver un petit peu plus souvent. Mais pas non plus à chaque portée. Remarquez, bon, mais après c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire quoi, hein, tout va dépendre s'il a fait très chaud le jour-là, que j'ai beaucoup transpiré peut-être, ou voilà, c'est compliqué de donner un truc vraiment établi. Et les chaussettes? Ben moi, les chaussettes, je ne les lave pas à chaque usage. Je porte mes chaussettes tricotées, puis je les laisse sortir, plier. J'ai un meuble dans notre salle de bain, et donc voilà. Et j'alterne. J'alterne, et puis je les porte 3-4 fois, je sais pas. Enfin bon, bref, pareil, je tiens pas un truc hyper rigoureux. Quand je me dis, on voit qu'elles ont été portées un certain nombre de fois, hop, je les mets à laver et voilà. Il faut savoir que, alors je trouve que contrairement à une chaussette du commerce, et puis c'est valable aussi à la limite pour les pulls, hein, je trouve quand même que les tricots mains, enfin, ça sent beaucoup moins que les habits du commerce qu'on va porter. Paire de chaussettes du commerce, je la mets une journée, je la mets au sale, voilà. Paire de chaussettes tricotées, je la mets une journée, je la laisse aérer. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise odeur ou de... Alors une fois de plus, si je les ai portées et que je les ai mis, je sais pas moi, pour aller sur la terrasse, etc. Donc peut-être que là, oui, je vais les laver parce que j'aurais traîné dehors avec, vous voyez, mais voilà. Voilà ce que je fais moi. Je sais que chez d'autres personnes, c'est plus souvent. Chez d'autres, c'est encore moins souvent. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle établie, mais si la règle qu'on peut dire quand même, c'est qu'a priori, ça demande quand même moins de nettoyage qu'un objet du commerce, voilà, qu'on va nettoyer un peu plus régulièrement. J'espère que ça répondra à ta question. Bon, voilà. Ma réponse est donc à voir. Non, mais j'espère que ça répondra quand même un petit peu à la question que tu te posais. Là, je crois qu'il n'y avait pas de questions, mais je voulais mettre un petit message. Alors, Valérie me demande si je connais la tresse Wickel. Eh bien, pas du tout. Elle me dit c'est dans le patron du châle Ossono, de même les anges tricotent. Est-ce que c'est une tresse lettonne? Eh bien, je ne sais pas du tout. Si certaines d'entre vous le savent, voilà. Tresse lettonne, j'en ai réalisé sur une paire de chaussettes. Bon, je vais les sortir, puis je vais vous les montrer. C'est un fail. J'ai cherché ces chaussettes pendant 10 minutes. Alors, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas au sol.
Je les ai peut-être, c'est le dernier truc auquel je pense, je les ai peut-être donnés à ma grande en me disant qu'elles étaient un peu petites pour moi. Je sais pas. Ben non, du coup. Grande pour moi? Je sais pas où elles sont. Bon, bref, c'est un problème pour plus tard. En tout cas, la Treisvickel, je ne sais pas ce que c'est, donc si certaines d'entre vous le savent, ben, n'hésitez pas à nous éclairer. Et la Tressetone, donc j'ai réalisé une fois sur les chaussettes, sur peut-être une autre fois sur une paire de gants, enfin de moufles, je suis même plus sûre. De mon souvenir, c'est hyper facile à réaliser. Vraiment, j'avais trouvé ça assez agréable à faire. Donc voilà. Ça met... Il n'y a pas un petit tuto sur le châle, enfin sur le... Il doit y avoir ça, non? Une petite vidéo, un lien vers une vidéo, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, désolée, une fois de plus, je... Alors, si vous n'avez besoin de rien, demandez-moi, hein. N'hésitez pas une seule seconde. Ah, mes réponses aux questions sont vraiment, vraiment intéressantes. TSLD 3281 me dit, les frivolités, ce sont des créations faites avec une navette en faisant des nœuds successifs avec un fil très fin. Ça, c'est les petites boucles d'oreilles que je vous ai montrées hier. C'est vraiment extrêmement délicat. Donc, ouais. Bah merci beaucoup pour ce renseignement. Martine me dit, oh, la jardinerie est ouverte le dimanche par chez toi. Quelle chance. Ici, tout est fermé. Et apparemment, elle n'est pas très très loin de chez moi, Martine. Celle du Banc Saint-Martin. Et puis alors, ils en ont des belles choses, hein. Ouais, alors moi, j'aime pas trop faire mes courses le dimanche. Alors, j'ai travaillé dans le commerce quand j'étais plus jeune. On ouvrait de temps en temps les dimanches, quand c'était en période de fête, en période de solde, etc. Et je me suis vraiment retrouvée, alors j'en parle, hein, il y a prescription, je me suis vraiment retrouvée à enchaîner des 20 jours de travail sans pause. C'est totalement pas du tout autorisé par la loi, hein, mais mes patrons étaient... J'aimais beaucoup mes patrons, on s'entendait bien, on avait une bonne relation, etc. Mais il y a des fois, ça abusait un petit peu quand même. Et j'ai toujours peur et j'ai toujours ce truc-là de me dire que peut-être c'est le cas aussi pour les autres gens qui bossent dans la vente. Je ne sais pas si les règles, les conventions, etc. sont toujours bien bien respectées. Puis alors... Enfin bon, bref, non, je vais pas trop en rentrer dans les détails, mais du coup, j'aime pas trop faire mes courses le dimanche, je me sens pas très très légitime. Bon, là, c'était vraiment très exceptionnel, hein, voilà. Mais donc, tu seras au Banc Saint-Martin, ils sont ouverts le dimanche matin, le dimanche matin. Frédéric me dit que pour les avocats, il faut beaucoup beaucoup d'eau, donc c'est normal qu'ils se soient plus dehors en fait, hein, parce que vu les trombes d'eau que je disais, qui se sont pris sur la tronche là depuis quelques semaines, ah bah forcément ils étaient heureux. Donc là, il faut que je pense à bien les arroser maintenant qu'ils sont dans la maison. Et Fédé Sorbo me dit que elle me conseille de mettre les feuilles mortes que je ramassais hier au pied de nos arbres fruitiers. C'est une excellente idée d'ailleurs. Alors hier, ce qu'on a fait, c'est que les feuilles qu'on a ramassées, on les a mis dans nos bacs de jardin, quoi, de nos bacs à légumes, etc., pour que ça fasse une sorte de petit paillage, on va dire, je sais pas trop. Enfin voilà. Que ça nourrisse un peu la terre de ces trucs-là. Donc, mais oui, je penserai à mettre un petit peu de feuilles au pied là. Elles sont pas encore beaucoup tombées les feuilles, hein. Notre arbre, il est encore relativement vert. Là, c'est un cerisier qu'on a que vous voyez souvent dans les images. Là, je pense que d'ici cette semaine, la semaine prochaine, là, je pense que ça y est, ça va vraiment jaunir et tomber. Et vous avez également été plusieurs à me dire que pour le nourrissage des oiseaux, effectivement, c'était beaucoup trop tôt parce qu'il fait encore très doux. Et donc, bah, c'est bien ce que j'avais vu. Il faut vraiment attendre les premières gelées ou le fait qu'il y ait des températures froides pendant plusieurs jours d'affilée. Donc, voilà. Ah, eh bien, écoutez, je crois que... J'ai répondu à tout. Le soupir n'est pas pour les questions. Hein. Le soupir est pour... Ah, mais oui, je vous ai pas dit ça en parlant de ratissage, etc. Donc, je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être vous le savez, j'ai eu des assez gros problèmes à mon épaule il y a maintenant presque 2 ans de ça.
Et franchement, ça a duré longtemps et j'ai mis longtemps à m'en débarrasser. Je pense que ça venait peut-être du tricot, mais je sais pas, le kiné était pas forcément hyper... Enfin voilà, pour lui, c'était pas ça le truc. Bon, enfin bon, bref, donc j'ai vraiment pendant longtemps, j'ai eu très très mal à mon épaule. Et depuis, c'est vrai que si je fais un effort prolongé avec le bras droit, typiquement, quand je nettoie la salle de bain des enfants, donc toute la salle de bain, vraiment la baignoire, le machin et tout, je vais frotter les murs pendant longtemps. Et ben, vous pouvez être sûr que le lendemain, j'ai des douleurs dans le bras. Et là, hier, d'avoir ramassé les feuilles, alors, je ne l'ai pourtant pas fait pendant des heures et des heures, hein, mais je l'ai fait assez vigoureusement pendant plusieurs minutes. J'ai eu mais tellement mal dans le bras cette nuit, mais alors dans le bras, dans l'épaule, mais ça m'a réveillée la nuit, j'en aurais pleuré de douleur tellement c'était vraiment extrêmement, extrêmement douloureux. Alors je pense que c'était quand même musculaire, mais que ça rayonnait et que ça me faisait mal après dans l'épaule. Là, donc du coup la nuit a été cata, hein, donc c'est pour ça là je suis vraiment rétamée, j'ai hâte d'aller me coucher. Mais là du coup je sens que j'ai encore une gêne, petite douleur, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était cette nuit. Ah, ça me faisait mal, mais partout dans le bras, c'était horrible. Donc je suis contente quand même que ça aille mieux. Je me suis dit, oh, purée, je vais terminer les Vlogtober avec de nouveau incapacité de tricoter parce que j'aurais trop mal à l'épaule. Je touche du bois, je vends pas la peau de l'ours ou quoi, mais je pense que vraiment c'est lié au mouvement répétitif et que j'ai un peu forcé sur le bras, quoi. Donc voilà. Je vais m'arrêter de blablater ici. Et puis donc je vais aller me prendre une petite douche. Mon mari nous a préparé sa petite recette. C'est formidable ce plat, moi j'adore ça. Je n'ai rien à faire, juste à mettre les pieds sous la table et c'est... Tant mieux, vraiment. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.